Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, c'est Redeem. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Mais tout d'abord, merci pour les nouvelles abonnées et les nouveaux abonnés. Et si vous n'avez pas encore souscrit et que vous trouvez sur cette chaîne, veuillez souscrire et cliquer sur la cloche pour avoir les nouvelles notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je viens avec une autre vidéo, un témoignage à propos du nom de Jésus-Christ. Ce nom est très puissant que nous ne pensions. Ce nom est très, très, très puissant. Et j'aimerais partager un témoignage avec vous. Et je vais mettre la musique. J'étais allée à la bibliothèque avec les enfants il y a un moment, mais je n'ai jamais partagé. Ça doit être au moins 3 mois comme ça. Je n'ai pas partagé le témoignage aujourd'hui. Je décide de le faire. Donc, je suis allée à la bibliothèque avec les enfants, mais je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, j'ai juste garé devant, mais pas exactement devant, juste à côté pour qu'ils puissent amener leur livre, retourner et venir que je puisse rapidement démarrer, partir, faire les autres courses. Donc, quand j'ai garé, ils sont sortis. Il y avait une dame là-bas, donc qui attendait devant. Bon, moi, je ne savais pas pourquoi. Et finalement, je suis un peu. Les enfants sont rentrés dedans, donc je suis rentrée aussi pour leur faire signe de vie sortie parce que j'ai pas assez de temps et puis là où j'ai garé. Donc là, quand je suis revenue dans la voiture, les enfants sont aussi sortis. D'abord, je suis allée appeler les enfants de ne pas traîner. Donc, j'ai remarqué une dame qui marche vers moi et c'est comme qui me censure, quoi. Qui dit, et toi, c'est là-bas que tu vas garer ta voiture. Papa, papa, elle commence par s'énerver. D'abord, la manière dont on l'a regardée, les enfants et moi, on a pensé, mais elle travaille ici, mais on ne l'a jamais vue. Donc, bon. Je suis sortie, je suis rentrée dans la voiture et il y avait de l'espace. Il y a une autre personne qui a garé devant, un autre monsieur pour prendre pour que sa femme sorte pour qu'il parte. Et elle était garée derrière moi. Et devant le monsieur qui était devant moi, il y avait de la place. Donc elle était garée derrière moi, un peu loin, à décaler de deux. C'est comme peut-être une autre voiture pouvait garer directement après moi avant qu'elle ne gare. Et comment elle commence par me parler sur moi, par s'énerver. Et toi, c'est là-bas que tu vas garer ta voiture. Tout ça, je la regarde. Je dis, mais c'est la dame-là, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, mais tu as l'espace. Et j'ai vu qu'elle entrait dans sa voiture. Je dis, tu as l'espace. Et devant, il y a l'espace. Et j'ai remarqué qu'elle faisait rentrer une vieille dans sa voiture. Supposer sa maman. Donc je dis, mais tu as l'espace, tu pouvais garer devant et la vieille n'allait même pas marcher beaucoup et allait s'asseoir dans la voiture. Commence pas à marcher sur moi et finalement elle quitte derrière, elle va devant après le monsieur, elle garde devant là où il y avait la place, elle revient vers moi pour me gronder. Elle dit, oui, c'est pourquoi tu as garé là-bas, pourquoi honte à toi, tout ça en anglais, tout ça. J'ai mon langage, qu'est-ce qui ne va pas? Et finalement je dis, mais tu as l'espace, tu peux garer. Finalement, au fond de moi, il était tellement enragé que quelque chose me dit, appelle le nom de Jésus Christ sur elle, prononce Jésus Christ. Et je dis, au nom de Jésus Christ, tout ce qu'elle fait là, au nom de Jésus Christ, qu'elle ne soit pas un obstacle, quoi. Elle dit, oui, honte à toi. Je dis, non, c'est honte à toi-même au nom de Jésus Christ. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, honte à toi-même au nom de Jésus-Christ. Quand j'ai dit au nom de Jésus-Christ comme ça, mes chers, c'est comme quelque chose qui l'a électrocuté. Elle n'a plus bronché, elle est retournée. Elle venait maintenant devant moi. Donc elle a quitté comme du vent. Rapidement, elle est rentrée dans sa voiture et elle est partie.
Et d'abord, avant que je ne dise le nom de Jésus-Christ, elle rentre au nom de Jésus-Christ. Elle dit, oh oui, c'est sa vieille maman qui doit marcher jusqu'à aller là-bas. Je dis, mais garde devant toi, devant. Et c'est maintenant qu'elle a amené là où elle devait garer. Elle dit, oui, elle avait fait semblant de laisser la voiture là-bas pour que sa maman marche pour aller. Elle faisait les tapas. Et quand j'ai appelé le nom, elle dit que rentre à toi, ce qui veut dire, on dit en anglais, chez mon lieu. Que j'ai gardé là, je dis, chez mon lieu, comment? Chez mon lieu, in the name of Jesus Christ. And when I say that, it's a testimony I'm sharing. When I say that, she just left. It was about the lady who was giving me trouble, who was talking madly because she said, you park here, there's a space she can park. She said she wanted to park where her park, something like that, and that her mom will not walk long time before going in the car. There was a space in front and she didn't want to park there. Finally she parked there. She rushed on me, yelling on me, talking on me, what did you park there? I thought it was at the library. I thought even she was working there. And finally something in my inside of me says, say Jesus Christ's name on her. And she said to me, shame on you. I answer back and say, shame on you in the name of Jesus Christ. When I say that, she just, I don't know how to explain, my dears. She just, it's like something just take her away from me. Something just pull her. It's not that she walk away, but it's like something just pull her quickly. She didn't say anywhere anymore. She just ran away. She ran in her car with her, whoever was with her, and she left. Then I just want to encourage you in front of any diversity you are, anything going on, just call that name. That name is very powerful than we thought. Very, very powerful. May God richly bless you. A lot of testimony will be coming. This channel is the French channel, but I was supposed to do that testimony right away. If you find the channel, if you don't know what we're talking about. May God richly bless you. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je tenais à faire ce témoignage. C'est un témoignage vraiment qui m'a... Il y a d'autres témoignages que je vais partager avec vous. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Elle a disparu. Elle a quitté. Les enfants même étaient étonnés. Elle a quitté. Elle a disparu. Elle est partie. En même temps, c'est comme quelque chose l'a retiré de moi. Que le Seigneur vous bénisse, Jésus vous bénisse richement. Bye, c'est dit bye. Souscrivez, partagez. Il y aura d'autres vidéos, plus de témoignages puissants, de chansons et d'autres. Bye, bye, bye. Soyez bénis. Paix dans vos maisons, quel que soit ce que vous traversez. Tenez fort, ferme et bye.